Bienvenue, ravie de vous retracer l'essentiel de l'actualité de Grenoble-Alpes Métropole et comme chaque fin de semaine d'agrandir un peu plus le champ de vos connaissances sur le service public intercommunal et ses enjeux. Vous savez par exemple que l'emploi est non seulement une compétence de la métropole mais c'est un enjeu prioritaire et en particulier dans les quartiers où on s'attache à la fois à encourager l'activité et à faciliter l'accession aux locaux d'entreprise. C'est la raison même d'Artis, ces hôtels d'activité métropolitains qu'on trouve à Grenoble, à Fontaine et à Échirolles. C'est ici que vous emmène Charlotte Faulkner. Depuis 6 ans, le village sud d'Échirolles possède son hôtel d'activité baptisé Artis 2. Réparti sur plus de 2000 mètres carrés, il accueille différentes structures, à la fois artisanales, de production ou encore de formation, relevant de l'économie sociale et solidaire. Une volonté de la métropole et de la ville d'Échirolles de créer une économie au cœur des quartiers. Il y a des réussites et il y a des entreprises de qualité différente, de produits différents, de statuts différents. Mais ça montre aussi la place que l'économie sociale et solidaire peut prendre en matière économique et particulièrement dans cette période de post-Covid. Le but de ce lieu, avoir une mixité économique avec des entreprises à la fois issues d'un système économique classique et d'autres issues de l'économie sociale et solidaire. C'est d'abord une coopération entre entreprises. C'est aussi soutenir l'économie sociale et solidaire et puis tout ce qui est économie d'insertion. La coopérative L'Équitable est dans les locaux d'Artis depuis 2015. C'est ici que sont préparés les 500 paniers hebdomadaires de fruits et légumes locaux pour des habitants de l'agglomération. Une structure qui a pu se développer grâce à ces nouveaux locaux. Ça nous a aidé dans notre développement où on a pu avoir un atelier 2 fois plus grand, beaucoup plus lumineux, de meilleures conditions de travail. Par rapport à avant, et de pouvoir développer l'activité, avoir plus de paniers et de salariés. À ce moment-là, on n'était que 3 salariés, on est passé à 4, puis maintenant à 5. Quelques mètres plus loin, même constat pour Justine, menuisière en reconversion, qui a emménagé dans son atelier en juin 2020. Moi ici, ça a vraiment été une chance. Déjà, c'est très compliqué de trouver un local chauffé, aussi bien pour moi que pour les matériaux. Et puis, en plus, comme on est plusieurs ateliers, on peut se rendre plein de services ou pouvoir ne serait-ce qu'échanger sur différents aspects de l'entrepreneuriat. En 2020, l'économie sociale et solidaire représentait 20 000 emplois dans la métropole, soit un emploi salarié sur 10. Et puis d'ici à 2025, 500 emplois directs seront créés à Champagné au sein de la start-up Aledia qui s'installe sur la ZAC du Sceau du Moine. C'est un immense projet qui est en train de se construire sur les bases de Display Valley, sur près de 10 hectares et dans 52 000 mètres carrés de bâtiments. Alors il faut dire qu'Aledia, c'est la pépite microélectronique iséroise qui va équiper les écrans d'ordinateurs, de téléphones, de montres, etc. avec des micro-LED à base de nanofils en 3D. C'est à Échirolles que la technologie a été mise au point dans le centre de R&D d'Aledia. La première pierre de l'usine a été posée par la ministre chargée de l'industrie Agnès Pannier-Runacher et Cédric O, secrétaire d'État à la transition numérique. Écoutez-les. Cette Display Valley, elle est emblématique de la politique de reconquête industrielle que nous menons sur le pilier des start-up industrielles. Car des start-up aujourd'hui sont à l'origine de nouvelles technologies qui elles-mêmes vont leur permettre de créer des sites de production qui livreront au grand international sur des technologies très avancées et qui seront créatrices d'emplois. C'est des milliers d'emplois qui sont à la clé et qui sont en plus en capacité de nous positionner en avance sur la transition numérique et sur la transition énergétique, puisque ces technologies, on le voit par exemple dans le cas d'Aledia, permettent d'économiser massivement, en l'occurrence sur le cas des écrans, l'énergie qui permet d'alimenter ces écrans, parce qu'elles sont beaucoup plus efficaces énergétiquement. Donc la France tire son épingle du jeu grâce à cette entreprise, mais c'est un cas parmi d'autres, et c'est ce que nous voulons montrer, c'est que nous devons nous donner les moyens de créer 70 à 100 sites industriels de cette nature chaque année grâce à ce financement de l'innovation, mais également de l'industrialisation qui est un moment clé de la vie d'une start-up industrielle.
Et parce que le monde est en transition, ce mois-ci, on va parler de paix pour la transition alimentaire. Le PAIT, le projet alimentaire interterritorial de la grande région grenobloise, va vous proposer des visites, des découvertes, des dégustations, des ateliers pour vous ouvrir sur l'alimentation responsable, respectueuse des agriculteurs, sur l'agroécologie, la relocalisation. Et ce mois de la transition alimentaire vient de commencer. Et parmi les activités proposées, la visite d'une ferme de spiruline. Cette micro-algue aux vertus nutritionnelles exceptionnelles, en voici un bel aperçu. C'est au petit matin que Maxime et Renaud récoltent la spiruline, une micro-algue bleu-verte présente autour de la ceinture équatoriale. Une fois que le soleil réchauffe la serre, les conditions climatiques sont optimales pour sa formation. Les températures peuvent atteindre 40-50 degrés avec des taux d'humidité proches de 100%. Dans les trois bassins de la serre, des roues à aubes permettent de faire circuler la spiruline tout en l'oxygénant. Quand on veut la récolter, on va faire ce qu'on appelle écrémer la spiruline. C'est-à-dire qu'on va racler la spiruline flottante dans un coin du bassin dans lequel on a mis une pompe. Et cette pompe va nous permettre de récupérer donc la spiruline et un petit peu de son milieu de culture qu'on va mettre donc sur des tables de récolte qu'on a ici. Une fois sur la table de récolte, l'eau est filtrée pour ne laisser place qu'à la spiruline, ensuite récupérée et emmenée au labo. Avant de pouvoir être consommée, cette micro-algue doit subir différentes étapes, dont la première, le pressage, afin d'enlever le plus d'eau possible. Alors une fois que le pressage est effectué, on va positionner la spiruline dans le poussoir à saucisses qui est derrière moi. Et ensuite, on va faire l'étape qu'on appelle l'excrudage. Donc finalement, ça s'apparente à effectuer des spaghettis à l'aide du poussoir à saucisses. Ensuite, elle reste 6 à 8 heures dans le séchoir. Donc le séchoir, il est couplé à un séchoir solaire qui permet d'utiliser peu d'électricité pour cette opération. Si ces dernières années, la spiruline à la côte, c'est avant tout grâce à sa composition qui convient aux sportifs, aux personnes âgées, aux végétariens ou encore aux anémiés. Alors la spiruline, c'est un aliment qui est très complet. On retrouve en majorité des protéines, mais aussi beaucoup de vitamines différentes. On retrouve aussi des minéraux, notamment beaucoup de fer, et puis des antioxydants. Cela fait maintenant 2 ans que Renaud et Maxime ont créé la spiruline de Chartreuse au Touvet. Et pour leur première année de récolte, les deux spiruliens devraient atteindre leur objectif, produire une demi-tonne de cette micro-algue. Et c'est samedi 9 octobre que la ferme spiruline de Chartreuse ouvre ses portes au Touvet. Tout le programme du PAIT, hein, le mois de la transition, est sur PAIT-transition-alimentaire.org. Et c'est tout pour aujourd'hui. Portez-vous bien. Bon week-end.